What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour mes loots du raid de la semaine. Voilà, je l'ai fait avec mes trois persos, ce raid d'Oryx. Donc j'ai fait tous les défis et ce qu'on peut dire déjà c'est que franchement on loot énormément, surtout au niveau des armes. C'est vrai que les armures ont tendance à un petit peu moins tomber, mais sinon au niveau des armes on loot énormément. Il y a trois défis, on peut le faire trois fois, du coup ça fait 9 fois le défi, 9 armes exotiques à looter. Franchement c'est énorme, donc c'est parti, là je suis avec mon chasseur. Vous voyez déjà au prêtre de guerre, nickel, fin de Chelchis en expert, donc il est en dégâts abyssal si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était l'arme que je voulais, hein. C'était la seule arme qui m'intéressait moi pour ce raid là, et encore c'est même pas dit que je joue avec. Et du coup vous voyez également que j'ai récupéré le pompe, donc le silence d'Aarn. Ensuite on passe directement sur Golgoroth, toujours avec le chasseur, donc même chose, il me semble qu'en plus j'ai eu de la chance parce que sur le premier raid, donc c'était le chasseur avec lequel j'ai fait le premier raid, j'ai eu trois armes différentes il me semble directement avec le premier perso, donc j'ai été vraiment très chanceux. Mais franchement si vous faites le raid avec vos trois persos, c'est quasiment obligatoire de looter toutes les armes. Donc là j'ai eu le fléau de Zaoli, vous le voyez, en expert et également en légendaire, et il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, il est également en dégâts abyssal. Et vous pouvez voir que j'ai toujours pas eu d'armure. J'étais vraiment beaucoup plus chanceux sur Oryx au niveau du chasseur. Vous allez voir que c'est tombé vraiment beaucoup plus au niveau des armures. Donc déjà l'ornement, c'est vrai que les ornements également sur Oryx avec les 3 défis, on en récupère pas mal, et ça c'est plutôt bien pour ceux qui ont envie d'améliorer les armures, même des autres raids, hein, faut les garder. Voilà, et là vous pouvez voir du coup, j'ai eu Angoisse de Dristan, donc en exotique et en légendaire. J'ai vu la cape et j'ai eu également le casque. En fait j'avais tout simplement activé les phalanges des AO pour avoir un loot supplémentaire. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir une armure supplémentaire. Du coup un petit peu plus chanceux. Allez, on se retrouve sur le deuxième personnage, donc il me semble que c'est le titan si je dis pas de bêtises. Voilà, on est sur le prêtre de guerre, on le fait tomber, il est mort. Franchement pour ceux qui ont fait les défis déjà à l'époque d'Oryx, il n'y a pas de grosses difficultés. Et là vous voyez, châtiment de Mérin, c'est impeccable, c'était l'arme qui me manquait directement en expert, donc en dégâts solaires. Et j'ai également eu les bottes directement pour le titan. On passe sur le prêtre de guerre, donc prêtre de guerre encore maintenant, il va encore faire tomber de l'exotique évidemment puisqu'on a fait le défi à chacun des boss. Alors c'est vrai qu'au niveau des exotiques, ça, franchement ça tombe énormément. Je pense que c'est bien pour ceux qui ne sont pas encore 400 lumières d'aller faire les raids, ça, franchement vous pouvez monter assez vite au niveau des armes en tout cas. Et vous pouvez voir encore une fois le châtiment de Mérin en expert, j'étais déjà dans mon inventaire pour équiper mes armes tout simplement pour l'étape d'après si je n'ai pas de bêtises, l'annonce de méchanceté qui devrait arriver. Et du coup voilà, et j'avance et voilà le châtiment de Mérin est également en légendaire, pas d'armure sur Golgoroth. Ensuite sur Oryx pour le titan, vous allez voir franchement là j'ai eu un bon loot, j'étais content, je voulais absolument l'avoir en plus, vous allez voir ça. Je vais m'approcher tranquillement du coffre, en plus je vous ai mis un petit gameplay du coup après, vous allez voir c'est assez sympa. J'ai eu tout simplement le passereau, il y a un passereau qui est lootable sur Oryx et du coup je l'ai eu. Donc j'ai eu également la cape si je dis pas de bêtises, j'ai eu la batteuse mais surtout le passereau, franchement j'étais heureux de l'avoir, vous voyez. Donc il s'appelle Usurpateur et il est assez stylé, franchement j'ai bien aimé. Et comme tous les passereaux des raids en fait, vous pouvez accélérer beaucoup plus en appuyant sur L2 plus R2. Et faut savoir que la semaine prochaine également sur Axis, on aura l'occasion de looter un nouveau passereau, franchement il est magnifique, il est corrompu. Je vous laisse regarder le gameplay. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, vous appuyez sur L2 plus R2, mais si vous restez appuyé trop longtemps, donc c'est ce que j'ai fait dans le gameplay, votre vaisseau va exploser. Je vous laisse regarder. Clock 19 in your face, yo. Et on se retrouve sur le dernier perso les gens, l'arcaniste, donc c'est parti, on est encore ici sur le prêtre de guerre, on le fait tomber, et voilà le châtiment de Mérin en expert, donc c'est l'arme avec les dégâts solaires si je dis pas de bêtises, et ça doit être l'impulsion, voilà, donc encore des ornements, franchement les ornements il en pleut, c'est incroyable. Et encore le pompe, donc le silence d'Aarn tourmenté. Voilà, bon ça on s'en fout un petit peu. C'est pas l'arme que j'attendais le plus. Ensuite on continue, on est sur Golgoroth, toujours avec l'arcaniste. Voilà, on avait mis le petit arcacryo pour clean à la fin pour protéger les copains. Et du coup ici, alors je sais même plus ce que j'ai looté encore. J'étais encore dans mon inventaire, hein. Franchement à chaque fois moi je me précipite pour récupérer les munitions. Voilà, donc fléau de Zaoli en expert, donc le revolver, encore un ornement. Et ensuite, alors je sais plus si j'ai une armure, je crois que j'ai pas été très chanceux sur l'arcaniste, il me semble que j'ai récupéré aucune armure, voilà. J'ai récupéré le jugement dernier du Mida, donc c'est tout simplement le fusion, voilà, mais c'est la même chose, hein. C'est l'arme qui sert à rien. À la limite ça sert juste pour pouvoir monter les autres armes à 400 lumières. Et du coup Oryx enfin pour finir avec l'arcaniste. Et franchement l'arcaniste c'est vraiment le personnage sur lequel j'étais le moins chanceux. J'ai eu aucune armure, j'ai dû looter uniquement le brassard il me semble sur Oryx. Justement à ce moment là vous allez voir dans le coffre que le brassard va tomber. Mais sinon franchement
J'ai vraiment pas été très chanceux. Voilà encore avec le châtiment de mes reins. Décidément c'est l'arme que j'ai le plus looté. Et vous voyez encore avec voilà, l'arrêt de Kulim. Donc tout simplement la batteuse lourde. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je tiens également à remercier tous les gens qui m'ont aidé dans les raids, parce que je suis passé directement via la communauté sur PS4. Voilà, parce qu'il y a des gens du clan qui n'étaient pas disponibles. Et je vous remercie, franchement j'ai passé des très bons moments avec vous. Et on essaiera de refaire ça un peu plus tard, pourquoi pas. En tout cas les potes, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.